mouvement musical depuis l'arrivée du rock. À l'avant-garde de ce style futuriste, de nombreux groupes allemands des années 60 et 70, et notamment Kraftwerk. L'un des très rares groupes de toute l'histoire du rock à s'être résolument tourné vers le futur, Kraftwerk a été régulièrement pillé par les rappeurs et marchands de house. Mais Kraftwerk et ses clones cybernétiques résistent. Megamix les a rencontrés chez eux, à Düsseldorf. De musique. Au lieu d'écouter les bruits de la rue, etc., de la technologie ou même des voitures, des trains, etc., il y a toujours cette musique fonctionnelle, functional music, dans les grands magasins, etc., et dans les élévateurs. Et je déteste dans les avions, etc. Au lieu d'écouter vraiment la beauté d'une machine, vraiment une chose comme elle est. Et ça va être enveloppé par une musique bourgeoise. The number you have reached has been disconnected. Il y a 10 ans, il y avait des magnétophones et quelquefois, quand nous n'avons pas appuyé sur le bouton rouge pour enregistrer, alors la musique a disparu. C'est ok, mais aujourd'hui, on enregistre dans le computer, juste on garde certaines idées et on travaille dessus. Et vraiment, c'est très créatif. Chance d'être dans la musique ou créativité aujourd'hui, au lieu d'il y a 100 ans, quand il y avait un grand orchestre avec 100 personnes, je ne sais pas, un roi ou quelqu'un qui payait, une ville qui payait pour l'orchestre. Aujourd'hui, l'orchestre, c'est un bouton. L'autonomie artistique dans la musique est devenue très importante aujourd'hui. C'est-à-dire c'est très sur Terre.
l'espace. Nous, on parle de nos expériences et comme on n'a pas été en espace, on ne peut pas en parler. Il faut que quelqu'un d'autre fasse une symphonie spatiale. Notre Klingklang Studio à Düsseldorf. Et c'est vraiment notre machine musicale, c'est-à-dire nous ne jouons pas des instruments antiques, mais notre instrument c'est le studio électronique. Si on fait des concerts, etc., on amène le studio. Une vidéo avec la New York Institute Technology, les artistes, et sur Music Non-Stop. Ce sont des apparences, des Kraftwerk non existantes. Ce sont des computers data de nos visages, etc., qui sont enregistrés sur disquettes, etc., et qui étaient animés. Et c'est complètement une virtuelle réalité. Et quelqu'un dans 100 ans, il peut...